Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvel épisode. Oui, allez hop, nous sommes les Ocarina Knight, on va arrêter de dire des bêtises et puis voilà. Ah, j'aurais. Ah, attendez, le marteau. Bon bah voilà, hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mario Maker où. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un robot. Mais ça suffit! Redémarrage en cours, il est énorme! Salut à tous, c'est le Robostock, je suis énorme, énorme, énorme. Je suis sûr, parce que là nous on enchaîne les vidéos, qu'il y aura plein de gens dans la partie précédente qui vont poster en commentaire « Mais vous pouvez utiliser le marteau pour sauver le robot !» Quelque chose comme ça. Ouais, mais nous, comme on n'est pas très sympa, ben on va le voir maintenant. Salut Robostock! Bip, redémarrage en cours, redémarrage terminé, analyse de la moustache en cours, salut Mario, confirmé. No. Erreur. Je suis un robot conçu pour lire les vidéos. Quelle vidéo vous voulez regarder? Ah! Ah, c'est le théâtre! Ok, ça sert à rien. À la prochaine! Ça sert à rien! C'est trop méchant! C'est pas des niveaux donc. J'avoue. Donc. C'est parce que tu lui as répondu non. C'est parce que tu. Le donc, fourbe beignet. Allons dans les fourbes beignets. Je viens de me creuser une nouvelle tanière et j'ai rempli de beignets. Je l'ai rempli de beignets. Mais donc vous régalez. Pourquoi il y avait une astérisque? Parce que t'as pas lu tout. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va. T'en compte qu'on dit Astérix alors que c'est Astérix. Beignets non comestibles, ah d'accord. Je ah, vois. Ce sont des, bah, des céréales, des beignets. C'est des céréales, bien sûr. Moi je dis ce sont des céréales. Vous êtes tous d'accord, bien évidemment. Mettez un commentaire si vous pensez que c'est céréales. Mettez un commentaire si vous pensez que ce sont des beignets. Mettez un commentaire si vous pensez que ce sont des nuggets de poulet. Mettez un commentaire si vous pensez que ce sont des châtaignes, ce qu'on vient de tuer. Mettez un commentaire si vous pensez que les munchers ne méritent pas d'exister. C'est trop méchant ce que tu dis. Mais ils sont méchants. Ils sont munchants même. Ah, ils font peur les munchers quand même, je trouve. Toi tu dis ça en rigolant, mais... Oh, j'ai tué Topitop. Topulante l'impatiente. Attention, il y a 30 pièces. Allons-nous réussir à accomplir l'énigme des 30 pièces? Ah, mais regardez-moi ça. Il faudrait faire tomber toutes les céréales pour que ce petit tombe aussi. C'est la célèbre technique! Mais oui, mais après, il faut le vent. Ah, d'accord, ok, ouais, c'est trop long. Moi je vous propose plutôt des châtaignes grillées, voilà. Miam 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 les beignets, miam 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 les beignets. Oh mais là on va avoir des sacrés caries hein, quand même. Ils sont peut-être juste nature donc c'est pas si grave. Enfin c'est quand même grave. Je pense que ça peut faire mal de manger autant de beignets. Ouais, on va prendre la pièce, puisqu'on peut. Bah bravo. Bah bravo. Le saviez-vous, les Malasada sont aussi des beignets. C'est vrai. Ce sont juste des beignets actuellement même. Ça porte jonce. Oh là là, tonnerre, il fait trop peur. Mais oui, mais non, mais il est incroyable ce chat. Non, mais il faut savoir, hein, depuis l'épisode précédent, je ne fais que regarder là-bas, en fait, parce que j'ai peur que l'enregistrement de notre vidéo s'arrête à tout moment. Parce que ça fait un petit moment, j'ai envie de dire peut-être 2 mois maintenant, que Atonner a décidé d'élire domicile sur mon bureau. Mon bureau qui contient du coup mon clavier et ma souris. On a même déjà posté une photo sur Twitter. Ces bestioles sont sacrément vicieuses et j'en ai mis partout dans mon stage. Si vous vous sentez de relever des filles. Ah, ce sont des porcs qui piquent. Mais du coup, moi, à chaque fois, c'est mon stress pendant les streams ou les trucs comme ça. Parce que actuellement, quand je fais des vidéos, des fois, c'est compliqué. Enfin, des montages, c'est compliqué parce qu'il est là et. Il faut savoir qu'Atonner, quand il dort, il fait des roulades. Et donc, du coup, bah. Il appuie sur le clavier. Il roule sur le clavier. Il appuie sur le clavier, surtout. Ça. Donc, c'est très pratique. Bon, il y a des fois, j'en ai marre et je mets le clavier sur le clavier. Mais il bouge pas, c'est ça le pire, il bouge pas. Hein. Genre, c'est pas grave si j'ai un clavier dessus. T'es en train de taper sur moi, c'est pas grave. Ah, c'est ça, un porc qui pique. Ah, j'aurais pensé que ça serait des espèces de souris là. Mais... Non, ce ne sont pas. Oh, c'est dangereux. Pauvre. Je déteste ces niveaux dans Yoshi's Story. Je déteste ce mob là. Je le hais ce mob. Je le hais du plus profond de mon âme.
Vous savez pas à quel point, en fait, voilà, on nous demande des fois, est-ce qu'il y a des trucs que vous détestez? Bah ouais, eux, je les hais, en fait, voilà. Il y a un truc dans la vie je les déteste, que je déteste vraiment, mais vraiment, hein, pour le coup, hein, il y a une raison, tout ça, c'est logique, tout ça. Lui, je le hais, voilà, c'est bon. Voilà. Pourquoi tu le hais? Parce qu'il est méchant, il t'avale comme ça, là, et... Regarde-le, là, il est là, en plus, il va te tuer. Oh là là, il fait quoi? Ah, il explose! Ah, mais c'est trop bien, on peut les exploser. Mais à quoi ça sert, en fait? Est-ce que tu peux remonter? Ah ouais, non mais ça c'est la vengeance. C'est la vengeance. C'est la vengeance de l'enfance. Tu vois, ça c'est pour toi. C'est pour toi que je fais ça. Ah, c'est pour toi. Parce que toi ça va, tu l'aimes bien. Non, non, moi je le déteste aussi. Ah oui, d'accord, il y avait carrément une phase du niveau, c'était juste pour le massacrer, quoi, tu vois. C'est pour les gens comme nous qui le haïssent. Il va me manger là. Ah mais moi je veux bien, hein. je veux bien savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce poisson? Je veux dire... Allez-y, mettez-les dans les commentaires, mettez-nous en commentaire ceux qui aiment ce poisson. Il me fait penser à Quiffy, je l'aime bien. et dites-nous pourquoi vous aimez ce poisson, parce que comme ça peut-être qu'on pourra... Partager avec vous. On pourra partager avec vous votre amour pour le Kipik, le porc épic là, le porc Kipik là. Je suis pas un hérisson, je suis un vrai porc épic. D'accord, moi, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Je suis un vrai porc épic. Ouais, mobile de feu, maintenez Y, interrupteur on-off. Si vous êtes arrivé, vous avez gagné, ok, cool. Notre but maintenant c'est d'arriver à 9999 pièces. Comme ça on pourra acheter 90 blagues. Les 90 blagues? Les 90 blagues de chien. Incroyable. Ah, cette musique. Ah, c'est... C'est la meilleure musique aussi, ça. Ah, les petits arcs-en-ciel. Tiens, meurs. Je sais pas, c'est quoi ces petits arcs-en-ciel? Bah tu verras la prochaine fois que tu feras un niveau. Bah bravo! Bah quoi? Ah non, bah oui, tu veux pas les pièces. Bravo, je comprends pas, hein. Tu voulais le champignon. Je préfère le champignon, mais. Ah, mais je suis Super Mario Bros. Donc voilà, regarde, je peux même faire c'est... ça. Est-ce que c'est un radis? Oui, c'est un radis de pony. Un radis de pony? Ah, ça c'est méchant, ça. Ah oui, ça c'est méchant. Ah oui, les frères marteaux aussi, je les aime pas. Hein. Voilà. Ils sont méchants, les frères marteaux, je trouve. Les connais-tu, les deux frères marteaux? Ah, les deux frères marteaux, oui. Et bah, eux, c'est pas des zéros, ça c'est sûr, hein. Ok, ça servait à rien. Tu vas appuyer sur un bouton et tu vas te tuer. Ah, est-ce que tu préfères cette coupe à mobile parce qu'elle a un champignon? Ouais. Allez, viens, ma coupe à mobile. Non, je te laisse là, tu vas pouvoir brouter de l'herbe. Dans les nuages. Tel Kirikouté sur sa plaine. Dirule. Abandonné je ne sais où. Peut-être qu'un jour on la retrouvera, je ne sais pas. Est-ce que tu comptes retourner à Hyrule du Crépuscule? Oh, tu peux avoir une fleur de feu. Non. Ah mais oui, il faut exploser ça. Voilà, la Bowser. Bowser, il la veut aussi. Ah, Bowser, il la veut aussi. Et moi, je... ouais, non mais faut pas croire, hein. Faut pas croire que moi j'aime pas les fleurs. T'es même pas obligé de le tuer, je pense. Ouais, mais Mario, quand il voit Bowser, il est obligé, tu vois. C'est comme ça, c'est ainsi. Bravo! C'est comme ça que ça marche. Bowser et Mario sont... C'est un peu des sévipères et des... Mangriffes. Et des mangriffes. Quand ils se voient, ils sont obligés de s'attaquer les uns les autres. Tu vois, je vois tout à fait. Mais bon, mais ça va quand même, parce que Mario, il est quand même sympa. Genre, il organise une course de cartes. Il fait, Bowser, tu viens? On fait la course de cartes ensemble. Le rodéo des blocs serpents. Les blocs serpents de mon stage filent comme le vent. Je cherche un volontaire pour voyager sur leur dos jusqu'à l'arrivée. Vous ne le regretterez pas. Il y a intérêt. Voilà, tu vois la relation Bowser-Mario, c'est une relation, ils te font croire qu'ils s'aiment pas, mais en fait ils s'aiment beaucoup. Oui. Et là? Ah, oh, c'est pas très gentil. Et là? Ah, c'est pas toujours très gentil. Pas très gentil. Mais tu ne le regretteras pas. Regarde là des... Alors, céréales, des donuts? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens. Pour ma part, ça sera toujours des céréales. Bah, c'est sûr que maintenant, tu m'as bien habitué aux céréales, c'est ça le problème. Du coup, mon avis est biaisé, je ne peux plus dire ce que je pense. Je ne peux plus dire ce que je pense. Bah si, tu peux toujours dire ce que tu penses, hein. Si tu trouves que ça ressemble à des ramen, tu peux le dire, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, non, c'est pas dommage, mais je trouve que c'est pas très ressemblant, tu vois. Bah, c'était bien l'idée des donuts, quand même.
Ah, c'est sûr que c'est quand même un peu plus nourrissant que des céréales. Mais vu qu'il y en a beaucoup, en fait, les céréales, ça reste mieux. Tu vois? Ouais, bah ouais, parce que tu manges pas qu'une seule céréale. Enfin, tu manges pas beaucoup. Plein, plein. Tu manges pas de beignets. Enfin, t'en manges pas beaucoup des beignets, quoi. Ou alors, ce sont des mini beignets. Bah oui, pourquoi je fais ça? J'espérais quoi? Que le bloc serpent allait descendre? De toute façon, un fan de bloc serpent, c'est forcément un serpentard. Ah, mais c'est un serpentard bleu, donc c'est l'enfant d'un serpentard et d'un cerf d'aigle. Tu vois? Mais pourquoi il va... C'est parce qu'il a l'intelligence du cerf d'aigle. Et il a la malice du serpentard, tu vois? Intelligent et malin. On dirait que, du coup, c'est un peu cheaté. C'est un peu cheaté. Pour ça, les blocs de serpents de base, ils sont que verts, tu vois. C'est parce qu'ils sont lents, tout ça, mais ils sont juste malins. C'est pas très... Alors, imagine un bloc serpent jaune. Là, c'est un bloc serpent qui fait que de parler. J'imagine pas, mais on va dire d'accord. Oh, regarde un nouveau point de sauvegarde. Oh, regarde un champignon. Alors, qu'allez-vous faire? Bien, je te montre ce que je vais faire. Attends, tu vas devoir rebondir sur les wigglers. Les gigoteurs, pardon, parce que, voilà. Si vous ne savez pas, en français, les wigglers s'appellent des gigoteurs. D'ailleurs, je tiens à dire aussi qu'en fin de compte, tu vois, justement, les wigglers, c'est quand même une espèce dans le monde de Mario qui sont quand même pas mal aussi. Ah, ils restent jusqu'au bout, tu auras une surprise. Donc. Ah, il fallait aller là-bas, du coup, tu penses? Pas rester jusqu'au bout, tu n'as pas eu la surprise. Et... La surprise, c'était la couronne de cerf d'aigle. Vous allez me donner quoi, une le vie? Le diadème de cerf d'aigle. Oui, c'est bien. oui, c'est bien, bah, c'est bien quand même. Avec ça, ça donne plus 10 en intelligence et plus... Les parabouilles insectes. Les parabouilles insectes. C'est niveau difficile. Ah, c'est encore le maître des cieux. Mais non, mais Ratalo, s'arrête avec tes niveaux, là, c'est pas possible. Mais c'est le maître des cieux. Il rigole pas. Oh mais non, c'est super, yeah, je voulais Super Mario World là pour rebondir dessus, ça aurait été rigolo. Lolo. Oh, c'est la J'aime bien cette musique. Ouais, elle est cool. Ah, c'est pas grave, on peut faire yeah. Je sais plus ce que je disais, ah oui, les diadèmes. C'est très bien. Les diadèmes, ça donne plus 5 en intelligence. Et plus 5 en MDF, et c'est bien quand même. Alors... Tu crains la magie, toi? Ah, moi, je sais pas. Non! Tu peux aller sur un en dessous, sinon. Non, jamais! C'est mon ami, celui-là. À jamais, je le garderai pour toujours. Bon, il faut descendre, par contre. Descends, mon ami! Oh, le champignon, il faut le récupérer, mon ami! Non, mon ami! Ah, c'est bien. Yeah. Oh, un Goomba dans l'espace. C'est le Goomba spatial. Si tu manges le Goomba spatial, tu gagnes un mal au ventre extrême. Non, Mario, faut pas manger le Goomba spatial, il est pas bon. C'est quand même impressionnant, le background, tout ça. Attendez, mais c'était difficile, ça, ce niveau. Mais pourquoi? Tout ce qu'on a fait, c'est faire yeah pendant tout le niveau. Il y avait autre chose. Non, il y avait un truc que j'ai raté. En plus, il reste plein de temps. Bon, mais je ne sais pas. C'est pas bien grave. Dessus. C'est grâce à. Faites mon, la théorie. C'est grâce à mon c'est grâce à mon diadème là que vous ne voyez pas parce que bah dans ce jeu dans le jeu IRL les équipements sont pas affichés, c'est dommage je trouve. Ça m'a donné plus 10 en intelligence donc j'ai gagné. Ah, garde la nonunama. Des boum boum en ville, même s'il y a une récompense pour ceux qui arrivent au bout, mais faut pas rêver, y a pas moyen que quelqu'un termine ce stage. Amuse-toi bien, on verra. Hein. D'accord, garde anonymat, il a un bavoir. C'est pas un bavoir, c'est un masque. Un bavoir. Attends. J'étais allergique à ton idée. J'étais allergique au bavoir, désolé, moi j'en peux plus des bavoirs. Bah, ceci dit, c'est vrai que quand j'étais enfant, je pensais que c'était un bavard. Au! Non!
La flèche, elle me dit d'aller là-bas, mais il y a une plante, alors ça a l'air intéressant. Je me demande si tu tues les monsieur Boum Boum, tu gagnes une clé. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais comme je sais pas faire des sauts, bah je me suis pris un coup de poing. C'est comme ça, il danse. Ouais. Il est un peu comme toi en fait. Allez, voici monsieur Boum Boum. Il est très fort et très courageux. Ah, il fait des gros sauts. Ouh ah C'est un peu un chao. Ouh, ouh. Non mais regardez-le là, il en peut plus là. Ah la voilà, la célèbre clé. Tout ça pour... Tout ça pour Atonnerre. Voilà, donc du coup il y avait un truc caché ici. J'espère que ça va être un champignon, un up comme ça. Non ça va, c'est un vrai champignon. Ça m'a rendu content. C'était peut-être une fleur de feu s'il y avait encore un champignon. Bon regarde là-dedans, il y a un champignon. Ah, non. Mais c'est le vent en fait! C'est quoi le nom du niveau déjà? Alors là. Non, j'ai oublié d'aller chercher le cadeau du coup. Bon, il faudrait que tu montes apparemment. Ah! Un check point. On fait beaucoup de niveaux dans la nuit aujourd'hui. Ah, d'ailleurs. J'ai raté. Oh, il y avait même une clé. Bon, il est pas content, lui. Alors, j'espère que tu aimes le vent. Alors, regarde un boum boum géant. Oh, c'est le combat. Ah, tu peux monter là-haut. Bah, t'as tué le boum boum géant. Et tu ne sauras jamais... Attends, il m'a même pas donné de cadeau. C'est normal, tu devais monter là-haut. Pour je ne sais quelle raison. Peut-être pour avoir le drapeau, vas-y. Voilà, c'était le festival des Boum Boum. J'espère que ça t'a plu. Eh bien, c'était un peu comme l'arc du tournoi, finalement, non? C'est l'arc du tournoi contre que des Boum Boum. Hein. C'était très intéressant, du coup. J'ai gagné. C'est tout ce qui compte. Oh, yeah! Mario! Démission! Débile bourrin sur les talons! Wahaha! Mario, aucune chance de traverser le château avec le débile bourrin! Sois prudent! Ah, ça y est, nous avons Mario World! Enfin! Super Mario World! Parce que ça sert à rien, du coup. Ah, mais c'est la meilleure musique du jeu, donc ça va. Bah, ce son, c'est Papa garde de l'anonymat. Mais non! Papa garde de l'anonymat, pourquoi tu mets le thème, ton thème là? Ça sert à rien! Moi, je voulais pas ton thème! Tout ça pour que tu sois pas amusé. Ah oui. Ah d'accord, là on est en train de faire la course contre les big bourrins et je vais mourir, il semblerait. Mais non, ce n'est pas grave, je me suis entraîné dans Metroid Samus Return, c'est bon. Ah. Bon bah a priori ça a l'air d'aller. Oh il est mort l'autre. Ah j'aurais pu aller chercher la pièce de 50 du coup. Bon tant pis. Ah, maintenant c'est garde l'anonymat. Ah. Ah, c'était... voilà. C'était court. C'était le thème de boss. C'était le thème de boss. Parce que garde l'anonymat, c'est juste un boss. Ah, il y avait des sacrées pièces quand même hein, ici. C'est pas mal quand même pour gagner de l'argent. Ce qui est très intéressant quand on est déjà full. Ah, surtout que si on fait les missions dans l'ordre comme on l'a fait, bah... On ne fait pas ces missions. Le saut mural magistral. J'ai créé un stage avec des parois très hautes pour pouvoir m'entraîner au saut mural. On peut certainement atteindre la rivière en appuyant sur B à chaque contact avec la paroi. Quelqu'un veut bien faire le test? On a entendu dire que t'aimais bien le niveau de saut mural, alors on t'en a donné un nouveau. Eh bien c'est parti. Faut attendre un peu en fait. Yahoo! Ah là, on t'a bien eu. Eh, je pensais que Coralie, elle était gentille. Ah, puis... pour m'entraîner, j'ai mis quand même un pic qui tue quand même, c'est pas mal. C'est comme ça, bon bah si jamais j'échoue, je meurs. Je pensais qu'on aurait le temps, juste, tu vois, genre. Mais bon, on va attendre.
chaque fois, je pense que ça te crochet. Allez, un petit champignon là. Parce que Didier du duo de choc, elle aime bien manger des champignons. C'est bien connu. Et oui, parce que lors de la Splatfest, champignon versus bambou, elle était pour la team bambou. Bah oui, du coup. C'est pour ça qu'elle en met pas assez de champignons, je trouve. Même pas c'est lequel camp qui a gagné, c'est pas grave. Ah, dommage. Ah bah oui, je suis petit. J'étais là en mode, bah je m'en fiche et tout, bah non, petit, m'en fiche gros Mario. Voilà, garde ton calme. Tout va bien. Tu n'es pas obligé de foncer dans les billboles. Les billbourrins, pardon. Même pas de cadeau. Non, tu ne mérites rien. C'était trop facile. Ah bon, bah. Ah, c'était pour s'entraîner au saut mur rouge. J'espère que tu t'es bien... On va faire un... Tu veux faire un wahou? Non, je voulais faire un... Une pirouette. Une pirouette. Non, ça n'existe pas. C'est bien dommage. C'est dans Mario 3D, ça, les pirouettes. Mario 2D, il sait pas faire, pirouette. Alors, est-ce qu'on en fait encore un? Bah, allez, on peut en faire encore un. Le prochain niveau, il est facile. Regarde, je vais le faire en 20 secondes. Plus allez. Glacé. J'ai créé un niveau de PS, incroyable. Pour occuper les enfants, il faut qu'ils travaillent leur saut en longueur. Oh, wow. Moi, je sais faire le backward long jump, pas de problème. Regardez, je vous... C'est parti. Franchement, vous devriez remettre Nintendo. Le backward long jump, c'était pas mal quand même. Ah bah, en plus, c'est la musique pour. Bah oui, en plus, c'est la musique pour. Là, pas de long jump et vous mettez pas le backward long jump, je comprends pas. Bon. T'as pas compris qu'il fallait faire des... Voilà. N'importe quoi, c'est écrit dans les consignes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh, mais je suis pas un enfant, moi, hein. Et c'est quoi, là? Je suis Mario. Petit Mario. C'est un saut en longueur. Un Mario, oui. Un saut en longueur. Eh, moi, je m'appelle Luigi. Je sais comment on fait le saut en longueur. Bah, attends, vas-y, Luigi, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Ah, c'est pour donner des cadeaux. Ah, d'accord, ok. Là, j'allais dire, ok, d'accord. Bon, là, je suis mort, là, par contre. On est d'accord, Luigi. Oui, bah oui. Merci, Luigi. Mais. D'accord, bon. On va peut-être que si j'ai game over, hein, avec toutes mes bêtises, on fera le Luigi I'm home. Je suis déçu, je voulais voir Luigi faire le niveau à ta place. Ah bah tout de suite, je suis déçu, je voulais faire Luigi. Peut-être que je vais mourir encore, on sait pas. Oh bah non, désolé, champion du monde. Les enfants. Pour les enfants, avec des piques qui peuvent le tuer. Tu tuer les enfants. Pour les enfants, c'est pour bon, ça les amuse, c'est bon, oh là là. Tout ça de va. Suite, vous rigolez. Croyez que la mort est une fatalité dans ce Bon, scénario. Attendez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Voilà, c'est un petit peu le bonus là. On va le faire. On va demander à Luigi de faire ce niveau. On va du coup se suicider. Donc voilà, on va le refaire. Ah, oui, peut-être oui, qu'on peut le faire directement. Et puis là, vu que je l'ai déjà réussi, ils vont dire que je peux pas le refaire, c'est ça? C'est pas grave, on va voir. On verra. Bah là, tu vois, t'as élément. Ah, tu veux le game over? Oui, je veux le game over. Ah! Parce que ce niveau est extrêmement compliqué, donc du coup, je vais demander à Luigi de le faire à ma place, parce que c'est un enfant. Oui, bah oui, c'est le petit frère après. Bah, allez, Luigi, mon... Voilà, dommage! Ah, mais ils avaient perdu! Bah, c'était difficile, je comprends pas. Bah, vas-y, laissez faire Luigi. Voilà, Luigi s'en charge! Qu'est-ce qu'il va nous inventer, Luigi l'enfant? Ah! Ah! Je suis déçu, Luigi. Ah bah pareil. Là, je suis déçu. Ah, mais là, je suis déçu. Mais là, je suis déçu. J'attendais à avoir un tas. Moi, je suis déçu, comme ça. Là. Mais là, je suis déçu. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là, du coup. Merci, GoGamer, d'avoir essayé d'avoir Balade fait dans le les nuages. Bon. Et à bientôt pour la prochaine partie de Mario Maker 2. Au revoir. Salut tout le monde.